Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour, une fois de plus. J'espère que vous êtes prêts pour le 18 mai. Parce que ce 18 mai à Paris, ça se prépare super bien. Tous les combattants de l'Europe, quand je dis l'Europe, c'est le grand Europe jusqu'à l'Angleterre. Tous les combattants sont prêts pour le 18 mai. Et oui, ça va se passer à Paris. Direction l'Elysée. Préparez-vous. Préparez-vous. Les absents auront tort. Les absents seront complices. Eh oui. Les absents seront complices. Nous allons considérer tous les absents comme ceux qui ne veulent pas le départ du régime tyrannique de Biya. Et avec raison. Bonjour, bonjour, bonjour Christ. Oui, je dis bien, nous allons considérer tous ceux qui vivent en Europe. Parce que même les gens des États-Unis, beaucoup seront présents. Ceux qui sont à 8h, 9h de vol Canada seront présents. Pourquoi pas vous sur place? Je dis bien, tous ceux qui sont souvent connectés sur les directs, on voit les 4000, 5000, 10000 personnes là. 6000 personnes connectées sur Jérémy Ngono. J. Point. Beaucoup sont de la diaspora. Bonjour Marie-Claire, bonjour spécial à toi. Donc, c'est le moment de prouver qu'en étant connecté, en envoyant le cœur tout le temps, c'est sur le terrain que ça va se jouer ce 18 mai 2019. La fin du régime tyrannique de Biya est arrivée. J'ai au trop 10 minutes, 10 à 15 minutes de communication. C'est pour réveiller encore les consciences. Pour réveiller nos frères, que nous n'oublions pas le grand rendez-vous du 18, qui est un rendez-vous capital pour la révolution, pour le combat et pour la libération de nos frères embastillés au Cameroun. Nous avons du temps de mieux mûrir nos réflexions. Est-ce que cela nous regarde vraiment? Qu'avons-nous fait pour notre pays? Le futur Cameroun de nos enfants. Quand je dis nos enfants, il y a beaucoup qui ont les enfants ici à la diaspora qui ne parviennent même pas à aller au Cameroun avec leurs enfants à cause des états des hôpitaux. Si l'enfant chope une petite diarrhée, il faut le renvoyer en Europe. Parce qu'il n'y a pas. Et s'il faut aller dans les cliniques privées, il faut faire une queue. Et déjà, il n'y a plus de place. Toutes les cliniques privées sont pleines. Parce que tous les gros voleurs du Cameroun ne soignent pas les enfants dans les hôpitaux publics. Ils discutent les cliniques privées avec des hommes d'affaires. Pourtant, ils sont des fonctionnaires. Donc, l'eau. 18 mai à Paris, nous devons prouver notre attachement. Nous devons prouver notre attachement à notre État, le Cameroun. Ah oui, nous devons prouver que ce n'est pas seulement envoyer le cœur sur Facebook qui fait le combat. Maintenant, le 18 mai, c'est sur le terrain. Tous ceux qui envoient le cœur là, le 18 mai, nous voulons tout le monde sur le terrain. Eh oui, je considère ça même comme un coup de gueule.
Celui qui ne sera pas à Paris ce 18 mai sera considéré comme le traître de la Révolution. Et Dieu merci pour le mauvais vent. On dit, même les enfants d'une même mère et même père peuvent avoir souvent des divergences. Mais le plus important, c'est après, s'asseoir autour d'une table et trouver une résolution. Et tous les combattants seront à Paris, je suis content. Tout le monde, tous ont annoncé leur arrivée à Paris. Personne ne sera absent. Je suis très content. Ça se passe à Paris, c'est 18 mai. Ça se passe à Paris, c'est 18 mai. Personne n'a le droit d'être absent ce 18 mai. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Patriocam sera là, va faire son travail comme d'habitude. Il est toujours sur le terrain. Je suis toujours sur le terrain. Et avant le 18 mai, je vous rappelle un autre rendez-vous. L'autre rendez-vous, c'est le 1er mai, dans un cimetière de la place Annie de France. Je vous raconte la petite histoire. Nous avons un compatriote qui, fuyant la misère au Cameroun à cause du régime tyrannique Biya, en 2013, est entré sous la roue d'un avion au Cameroun. Je dis bien, il est entré sous la roue d'un avion qui venait en direction de Paris, Charles de Gaulle. Il est entré sous la roue de ce camion. Ce n'est qu'ici en France, quand l'avion a atterri, qu'on a découvert le corps sans vie de ce jeune homme. Alerté, les policiers, les enquêteurs, le ministère de l'Intérieur français ont fait le boulot. On a découvert que c'était un Camerounais, après les enquêtes. Ils ont alerté l'ambassade du Cameroun en France. Une surprise que vous n'allez même pas croire. L'ambassade du Cameroun n'a pas bougé. Les représentants, nos représentants, parce que si vous reconnaissez que Biya était le président à l'époque du Cameroun, ça veut dire les ambassadeurs qui sont les oreilles, les yeux, etc. de Biya à la diaspora sont chargés d'assister, de soutenir les Camerounais vivant dans leur zone d'action. Mais l'ambassadeur du Cameroun à Paris, alerté, a dit, ça ne le regarde pas. Il a dit, il s'en fout. L'État français, reconnaissant que c'est un Camerounais, a mené beaucoup plus d'enquêtes. Et heureusement, le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, dirigé par le général Wanto depuis, qui opère et qui est une société, qui opère en qualité de société civile, de droit des Camerounais, le respect de la liberté, et, etc. au Cameroun, fut contacté. Le général Wanto et son équipe ont pris les choses en main. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un cimetière adapté pour déjà contacter les parents au niveau du pays. On n'a pas pu, ils n'ont pas pu. À l'époque, moi, personnellement, je vous dis la vérité, je ne faisais pas encore partie du CCD. Ils n'ont pas pu retrouver la famille du gamin au Cameroun. Ils ont monté un dossier pour que l'État français leur remette la dépouille. L'État français a remis la dépouille au Conseil des Camerounais de la diaspora. Heureusement qu'il y a le maire d'une petite ville en Île-de-France qui a accordé un caveau pour qu'on puisse enterrer notre soldat inconnu. Nous avons dénommé ce jeune garçon le soldat inconnu. Pourquoi? Parce que c'est un combattant. Le régime de Biya, si tu n'es pas de leur côté, tu n'as rien au Cameroun. Donc, tellement il a miséré, il voit, il a,
Il a sûrement regardé à gauche, à droite dans sa famille, il n'y avait personne. Il s'est décidé de prendre la route comme il a pu. Le raccourci qu'il a trouvé pour arriver en Occident pour pouvoir avoir une belle vie, c'était d'entrer sous la roue de l'avion. Il ne savait pas qu'il ne peut pas résister 6 heures de temps. C'est comme ça le mec est arrivé ici étant décédé. Sa dépouille de, repose. Je vais vous donner l'adresse. Je vais poster l'adresse sur ma page. Et de ce fait, nous invitons tous les Camerounais de l'île de France, même de la France, même si vous êtes où, si vous êtes sensible à cette histoire, retrouvez-nous le 1er mai au cimetière où est enterré ce monsieur. Parce que chaque année, comme à l'accoutumée, le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, dépose une gerbe de fleurs au tombeau de ce jeune homme, en mémoire de notre soldat inconnu. Ne restez pas insensibles, venez, plus précisément en noir, pour que nous puissions ensemble déposer cette gerbe de fleurs sur le tombeau de notre frère. Oui. Nous avons, si nous sommes même 500 000 Camerounais, Dia doit voir ces images. Parce que si ces ambassadeurs avaient pris le corps de ce jeune homme, il ne devait pas être enterré en France. On devait extrader le corps au Cameroun. Et le corps et le petit, on devait sûrement peut-être retrouver ses parents. L'État camerounais pouvait faire mieux. Parce que le CCD n'a pas pu faire parce que il ne saurait en aucun cas agir comme un gouvernement. Bon, c'est le cadavre que Biya a voulu à cause de sa mauvaise gouvernance. Et ça fait partie du combat. Nous devons donc être plus nombreux que possible ce 1er mai pour commémorer devant le tombeau de ce jeune homme. Nous devons être plus nombreux que possible et faire des directs, faire des vidéos pour que ça arrive jusqu'à ce que Biya, qui est devenu le chef Facebook, comprenne qu'il est le plus méchant homme de la Terre. Vous allez comprendre cela. Parce que c'est ce garçon qui était déjà allé à l'école, qui avait un petit job au Cameroun, qui pouvait manger à sa faim, qui pouvait avoir de l'eau à boire, se soigner au Cameroun, ne devait pas entrer sous la roue de l'avion pour la diaspora. Oui, il ne devait jamais entrer sous la roue de l'avion pour la diaspora. Salut, Deva Valérie. Et oui, c'est le soldat X, Kamto NS. C'est le soldat X. C'est notre soldat inconnu. Nous devons donc, ce jour, considérer ce 1er mai comme si on partait à une marche ou à un sit-in, nous retrouver au cimetière. Je vous enverrai, je ferai d'ici dimanche maximum. L'adresse du cimetière ne me vient pas en tête direct. Je vais vous envoyer l'adresse. Tout le monde. Et nous allons, beaucoup de combattants de l'île de France. Je pense que Marc doit publier cette adresse. Salomon doit publier cette adresse. La présidente des Amazones qui est connectée doit publier cette adresse. Tout le monde qui est sur la toile. Nous allons publier. Tous ceux qui sont sur la toile régulièrement. Nous allons publier cette adresse. Pour qu'ensemble, nous nous retrouvons pour commémorer la mort de notre soldat inconnu. Il n'a rien fait pour mériter cela, mais c'est arrivé. Maintenant, je reviens. Et pour continuer notre programme, le 18, nous sommes en pleine préparation. Je vous assure, vous n'allez jamais regretter d'être de venir le 18. Opération 50 000 Camerounais de par le monde à Paris. 50 000 Camerounais, bien pas le même jour. Parce que Macron, les Blancs, se dit, ça c'est une confidence. Nous avons déjà trop nuit
ces Français de l'île de France. Avec nos marches, on s'assoit en route, on fait tout. Oh, on la nuit, on bloque la circulation. Ils appellent les renforts. Nous les avons déjà beaucoup nuit. Il est temps d'en finir. Le dernier combat. Le dernier combat. C'est le 18 mai à Paris. Et le chef bandit va tomber. Le chef bandit va tomber. Bien le tyran. Dans une conférence, Macron a dit que c'est la loi de la pesanteur, la loi de la majorité qui renverse démocratiquement des États. Et chez les dictateurs, c'est la loi du peuple majoritaire dehors. Vous indignez, le dictateur part. L'exemple, Algérie, Soudan. Est-ce qu'ils ont résisté? Ils n'ont pas résisté. Le peuple a toujours raison. Mettez-vous ça bien dans la tête. Quand on parle de... Pourquoi pas 1 million? Camto, quand je dis 50 000, c'est le minimum. Mais si nous sommes même 2 millions, mais nous ne sommes pas quand même 2 millions de Camerounais à l'extérieur. Je parle des Champs-Élysées, Camto, NS. Nous ne sommes pas quand même... Nous n'atteignons pas 1 million de Camerounais à l'extérieur, mon frère. Et en Europe, nous n'atteignons pas ce quota. On va faire avec le maximum que nous pouvons avoir, mais nous pouvons avoir 50 000 Camerounais sur les Champs-Élysées. Direction, palais de l'Élysée. Macron, attends-nous. Le service de renseignement t'a déjà averti sûrement. Vous allez prendre les dispositions, mais la loi du nombre doit toujours... Voilà. Nous allons foncer jusqu'à l'Élysée. Même avec tes niais-là, on a déjà le secret. On va aussi boucher nos narines avant d'arriver. Les gilets jaunes nous ont montré le secret. Donc nous allons foncer aussi jusqu'à ce que tu vas appeler bien. Que, oh, Attara, l'affaire s'y me dépasse. Plie tes bagages et go. Voilà. D'autant plus que, je vous dis, hein, ils ne vont rien nous faire parce que le Parlement européen auquel la France appartient, les députés français en majorité, sauf deux totos, qui ont pris les dos à Bia, qui ont vendu leur âme au diable, ont raconté des conneries. Mais le reste des députés, sur 74 députés européens français, il n'y a que deux totos qui ont raconté des conneries. Et sur ces 171 députés européens, il n'y a que deux totos encore. Donc le reste, ça veut dire Macron, tu appartiens à l'Europe, tu dois suivre ce que l'Europe demande. Et nous voulons le départ du tyran. Donc le combat est fini. Venez 50 000 et bien va partir. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, c'était Patriocam. Je ne serai pas long. Partagez la vidéo pour que tout le Camerounais de par le monde soit au courant de notre planning. Et rendez-vous déjà mercredi le 1er mai au cimetière pour commémorer la dépouille de notre frère. Allez, bon week-end à vous. Le combat continue. Celui qui se met à travers la révolution, je le piétine et j'avance. Salut.